Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 du Let's Play sur Better Than Volve, saison 2. Et on est parti. Et voilà. Du coup, comme vous le savez, dans chaque épisode, je donne une lettre, un code et tout pour gagner un gift code. Et dans l'épisode précédent, j'avais donné la dernière lettre. C'était gagné par... on ne sait qui. Mais pour les tristounets parmi vous qui n'ont pas gagné le code, bah maintenant je vais redonner un nouveau. Donc un chiffre, une lettre par épisode. Et si vous notez tout, à la fin, vous pourrez peut-être gagner un compte Minecraft gratuitement. Du coup, aujourd'hui, c'est la lettre, le chiffre. Je vais le donner plus tard. Je vais le donner plus tard, à l'heure du carambar. En attendant, on est parti. En tout cas, je suis content. Les deux épisodes précédents, on avait bien galéré avec le bug de map. Tout avait failli être foutu. C'est tout bon. Ok, c'est tout bon. Du coup, on avait trouvé le champignon brun. Le fameux champignon brun dans l'épisode précédent. Et il est ici. Attention à ne pas le perdre. Et j'avais mis cuire tout le fer que j'avais trouvé. Il y en a à peu près 4 par four et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fours, 40, à peu près 40 pépites. Donc c'est cool, on va attendre gentiment que ça fonde. Et à la base, si on était là, c'était pour les cocottes. Je voulais les faire pondre des œufs et les ramener là-bas à la base. Ramener à la base les œufs. Mais je pense, oui, que je vais pas prendre le risque d'attirer les poulets avec une graine tout là-bas à ma base. Le chemin est long. Et vu qu'il y a un marais, c'est dangereux, quoi. J'ai peur de toutes les perdre. Du coup, on va s'orienter plutôt aux champignons. Pour mon ami Sandoz, l'ami des champignons, c'est lui. Parce qu'en début de partie, vraiment, vous allez voir qu'avec Better Than Wall, c'est de la survie. Et la bouffe, c'est vraiment très très dur. Vous pouvez vous en sortir avec de la pêche ou en chassant des animaux, tout ça. Mais dans certains cas de figure, vous allez avoir besoin des champignons bruns. Pourquoi? Parce que les champignons bruns, on peut les coupler avec les... Comment on appelle? Omelette, egg. Avec les œufs. Non, qu'est-ce que je dis, moi? C'est pas vrai. Mushroom. Mushroom. On peut faire des raves mushroom omelette. Donc avec 3 champignons bruns et... un rave eggs, on obtient 2 rave mushroom omelette et on peut la cuire et on obtient des cooked mushroom omelette. Et ça veut dire qu'en fait ça multiplie par 2 une omelette et ça nourrit plus qu'une omelette, donc c'est un gain de bouffe assez énorme. C'est à dire que les poulets, quand on les nourrit, ils pondent uniquement un œuf le lendemain. Et avec des omelettes, donc du coup si on a 10 poulets, c'est-à-dire que par jour on peut avoir 10 omelettes. Et si on les couple avec des champignons bruns, ça fait qu'on pourrait avoir 20 omelettes par jour et qui nous nourrit plus. Donc c'est absolument magnifique, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est, bah, je vais rester cette nuit tranquille ici, comme ça aura le temps de tout cuire. D'ailleurs il va pleuvoir. Et demain, on va marcher à la base principale. On va voir si le cannabis a poussé un peu et que les graines ont poussé. Et je vais vous donner des explications sur les champignons bruns et comment les farmer. Comment en avoir tout plein. Et on verra si on a le temps. On parlera aussi un petit peu des poulets plus tard. Mais on verra. Cet épisode sera un peu plus court, je pense. Vu que l'épisode précédent durait 1h10 quand même. Et que j'ai perdu pas mal de temps à faire les épisodes. Vu que j'avais eu le bug de map. Du coup, on se retrouve au lever du jour. Allez, gros mec, à tout de suite. Bon, on se retrouve là. Le jour se lève gentiment. Et du coup aussi, ce que je voulais vous dire avant qu'on parte d'ici. C'est que la modification des poulets qui pondent qu'un œuf le lendemain après avoir été nourri, ça vient tout juste d'apparaître. C'était dans la toute dernière mise à jour. Donc il y a des trucs encore que j'aimerais tester. Parce que par exemple, si on nourrit un poulet,
On doit attendre une journée complète et le lendemain matin, elle pond un œuf. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe si on nourrit un poulet et qu'on se casse très loin et qu'on revient le lendemain. Parce que si on est à plus de 128 blocs de distance des poulets, ça veut dire que les poulets deviendront inactifs. Je rappelle que tous les mobs à plus de 128 blocs de distance de vous, ils disparaissent complètement. Mais les poules, comme c'est des animaux passifs, ils ne vont pas disparaître, mais ils seront figés, ils seront gelés. Mais du coup, est-ce que ça va prendre en compte qu'ils ont été nourris? Est-ce qu'ils vont pondre le lendemain? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer. Si j'arrive à sortir d'ici. Du coup, regardez, j'ai 5 lingots de fer et 2 pépites. C'est quand même pas mal, hein. Et j'ai pris un peu toutes les choses qui me semblaient importantes. Comme ça, je vais les ramener au spawn. Du coup, maintenant, c'est moins drôle. Il va falloir sortir d'ici. Au petit matin. Oui, ouais, il y a sorcière, il y a tout ce que tu veux. Et il y a un squelette là. On va. Ah, mais non, mais si je fais un trou, les poulets vont sortir. Oh merde, c'est mis la misère. Est-ce que je peux le toucher? Sinon, je fais 1000 kamikazes. Il faut que je mange. Oh là là, et j'ai plus que 5 poulets. Hein. J'espère que les graines auront poussé. Bon, allez, je vais faire le kamikaze. Allô? Ouh, nickel, il a pas eu le temps de me toucher. Et un petit steak de zombies, ça c'est cool. La journée, comme les mobs brûlent, c'est sympa au petit matin de tourner autour de son camp de base. Des fois, on peut faire le plein de steaks de zombies. Bon, le squeletton, il a rien compris. Il y a une sorcière là-bas. Il y a trop de creepers. J'aurais aimé refaire le chemin, mais tant pis, je referai plus tard. Par contre, j'ai pris des pousses d'arbres. Je vais profiter de planter des arbres un peu. Ben, ça va très long à pousser, hein. Hop. Ça m'embête un peu de les planter proche du chemin. Ça va faire des zones d'ombre où ça va peut-être obstruer mon petit chemin. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. C'est comme ça. Ah ouais, en fait, j'avais été paresseux. J'avais pas fait comme il faut. Ou peut-être que j'avais plus de gravier. J'évite de courir, hein. J'ai plus que 6 poulets. Bug de chunk. J'aimerais bien qu'il y ait une lune noire. Comme ça, je pourrais vous montrer la pêche pendant une lune noire. Ça, c'est le top du top. En tout cas, si ce soir il y a une lune noire, je vais vous montrer la pêche. Ça permet de faire un stock de bouffe. Parce que là, il n'y a plus d'animaux vivants à perpète. Hein. On va quand même planter 2-3 arbres. Là-bas, il y a des champignons rouges. Je vais en prendre. Je profite d'en prendre. Il fait jour. Comme ça, on va aussi faire une petite ferme à champignons rouges. Ça, c'est super facile à faire. Ouh, puis il y en a plein, là. Dis donc, dis donc. Merci. On aura besoin plus tard pour enlever tous ces troncs. Parce qu'un jour, il y aura tellement de souches tout partout. Et pour les casser en les cassant à la main, ça prend vraiment très long. Alors que je vous rappelle qu'avec des champignons rouges, un steak de zombies et une paire de couilles de creeper, on obtient un stump remover. Et il suffit de faire clic droit sur les souches d'arbres et elles se cassent instantanément. Ouais, tiens, là, on va mettre tout en gravier. Bon, je pense qu'à la base, rien n'aura poussé, vu qu'on était trop loin. Ah merde, j'ai pas compté la distance. Quand je retournerai voir les poulets, je vais compter. Mais je pense qu'on est largement à plus de 128 blocs. Ok. Ma fabuleuse ferme des vaches et le beau barrage. Ah, ça fait du bien d'être à la baraque. Ça va manquer. Ah, il faudrait que je sécurise le chemin aussi jusqu'au stand de pêche. Ouais, bien évidemment, il n'y a rien qu'à pousser. Non, 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 c'est logique et c'est normal. C'est logique et c'est normal. Du coup, allons dans ma base.
Ouh, ça va me prendre du temps, tout ce que j'ai à vous montrer. Hop. On va reboucher comme ceci. Il n'y a pas de loup, donc je laisse un cube ouvert, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai toujours mes deux vaches. Elles n'ont toujours pas brouté. Allez, broute. Tu veux brouter? Va sur l'herbe. Je sais pas comment ça fonctionne leur. Vas-y, mange. C'est bon l'herbe. Oh putain, en plus l'herbe elle pousse vraiment, vraiment, vraiment doucement. Elle a pas l'air motive, tant pis. Hop. Du coup. Ici. On a ça. J'avais pas laissé de bouffe ici, hein. Ah, j'ai encore du fer. Tiens, on va profiter de mettre cuir. Donc, 3, 1, 2, 3. 3 petites bûches. Comme ça, on aura le maximum de ferraille. Hop. Et à chaque fois que vous avez du fer, hein, utilisez du bois. Du bois. Jamais utiliser du charbon. Hein. Surtout pas en début de partie. Le charbon, il faut le garder pour les torches. Et uniquement les torches. Parce qu'un charbon, c'est qu'une torche. Hein. Un charbon, c'est qu'une torche. Oh, on commence à avoir plein de steaks de zombies. Ça va être cool pour la pêche. Ah, j'avais des champignons rouges ici. Alors, les champignons rouges, ça pousse totalement avec la lumière du jour. Il n'y a pas de problème. Pas la lumière max. Hein. Je crois que c'est niveau 12. Il suffit de les planter. On peut les planter un peu sur n'importe quel bloc. La terre, pas les slabs de dirt. Mais là, on peut planter partout. On peut planter sur des blocs de terre aussi. Et en fait, ces champignons, ils vont checker normalement parce que c'est pas bien bien indiqué. Parce que Flowershield, je rappelle qu'il travaille sur la version 1.5.2 de Minecraft et il modifie un peu les codes. Du coup, c'est très dur d'avoir toutes les informations sur comment poussent les champignons sans faire des tests. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on plante un champignon, il va checker dans une zone de 9 cubes par 9 cubes par 3 de haut combien il y a de champis. Et s'il y a plus de 5 champis, le champi de base, il ne va plus engendrer d'autres champignons. C'est-à-dire que là, on a le champi de base, le champignon qu'on garde. Si dans une zone autour de lui, de 9 par 9 par 3, il y a 5 autres champis, ce champignon ne va jamais créer d'autres champis. Par contre, celui-là, il va peut-être créer un champi ici. Et pareil, le champi qui sera créé ici, il va à son tour checker dans une zone de 9 par 9 par 3 qu'il n'y ait pas 5 champis. Et s'il y en a moins, il va en tenter d'en planter, d'en faire pousser d'autres plus loin, quoi. Par contre, pour les champignons bruns, Flowershield il a modifié, les champignons bruns, ils poussent uniquement dans la nuit complète. La nuit totalement complète. Du coup, le but c'est de faire des salles avec des champignons bruns qui peuvent pousser, mais de ne pas avoir de mobs. Donc en fait, moi j'avais commencé à creuser cette zone ici et je vais faire plusieurs salles avec plusieurs types différents. Je vais tout faire ça hors caméra. Et après, ce qu'on va faire, on va tester plusieurs modèles de farming de champignons. Un peu plus tard, quand on aura le temps, j'ai déjà un beau petit modèle de ferme à champignons bruns très efficace, sans aucun risque. Mais ça, on verra plus tard parce qu'il faut avoir plusieurs champignons. Et là, le but, c'est vraiment que j'ai pas beaucoup de bouffe. Donc, le but, ça va être d'avoir beaucoup de champignons. Du coup, moi, je vais miner ici des grandes pièces et on va regarder tout ça. Et pour les champignons rouges, vous allez voir, avec le temps, il y a des champignons qui vont pousser un peu partout. Ici, ils n'ont pas beaucoup de place, hein, ils n'ont que ce couloir pour pousser, donc il y en aura très peu. Mais si vous avez une grosse caverne qui est bien éclairée, vous courez dans la caverne, vous plantez des champignons rouges un peu partout, et ils vont pousser gentiment. Ce qui est cool. Après, il faut penser à pas tous les ramasser, hein. Il faut toujours en laisser quelques-uns pour qu'ils puissent faire pousser d'autres champignons. Yeah!
Yeah, man. Bon, bah, du coup, il fait encore jour. Je crois que je vais vous laisser, parce que ça va me prendre énormément de temps. Hein. Je vais faire ça avec des pioches en pierre pour économiser. Je vais peut-être utiliser un tout petit peu la pioche en fer. Celle en diamant, je vais vraiment la garder. D'ailleurs, je vais la poser ici. Voilà. Ouais. On fait ça. Il est l'heure du carambar, les enfants. Il est l'heure du carambar. Avant le gros travail. Comme ça, je vais pouvoir mâchouiller un peu pendant le travail de dur labeur. Alors, attention, attention. Qui est quoi? Quel est le comble pour une voiture? Attention. C'est de mal se conduire. Ouais. Du coup, on s'en fout. Du coup, notez. Je vous donne maintenant le code. Il faut noter le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le premier chiffre du gift code Minecraft. Allez, coupure, je bosse et à tout de suite. S'il fait lune noire, s'il fait lune noire, je vais vous reprendre et je vais vous montrer la pêche de haut niveau. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, je vous reprends déjà. Voilà le trou que j'ai fait. J'ai presque tout usé ma pioche en fer. Bon, il n'y a pas de champignons qui ont poussé encore pour l'instant. Rouge. Ça prend quand même un petit peu de temps. En fait, niveau bouffe, ça va pas le faire du tout. J'ai plus que ça. Ça va pas le faire du tout. Du coup, je vous explique vite. Donc, les champignons bruns ou rouges, ils peuvent pousser de la manière comme je vous ai dit tout à l'heure, sur n'importe quel bloc plein. C'est-à-dire que ça poussera pas sur des dalles, ça poussera pas sur du verre, sur des feuilles ou quoi que ce soit. Ça poussera vraiment sur les blocs pleins. Les blocs pleins. Et ce qu'on va faire ici, je voulais faire une sorte de petite pyramide. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les champignons, ils peuvent pousser en diagonale sur un étage différent. Donc, il y a le modèle de ferme pyramidale qui fonctionne pas mal. Bon, là, c'est une petite pyramide comme Mac. On va rallonger ici. Normalement, je voulais la faire un poil plus grande, hein, mais désolé, hein, avec le niveau de bouffe que j'ai, on va faire encore. Ouais, comme ça pour l'instant, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je suis obligé, hein, je veux pas faire plus parce que c'est vraiment mon niveau de bouffe est très très critique là. On va aller chercher le champignon et on va le planter là. Ah putain, il fait déjà jour. Il fait déjà jour. Tac. On va le planter au sommet, ici. Voilà. Et après, on va barricader par là. Voilà. Je fais de la cobble, hein, parce que de la cobble, j'en ai vraiment beaucoup. Par contre, de la terre, j'en ai très peu. Hop là. Et ici, on a notre sortie. Ok, autre chose à noter, c'est que les demi-dalles de terre ne laissent pas passer de lumière. Regardez, si je ferme là et que je ferme là, on va enlever cette torche. Hop, et celle-ci. Là, je ne suis pas gloom encore. Si j'enlève cette torche, on n'aura aucune lumière qui vient. Ah, mais non, mais là, ça va pas pour vous montrer. On va faire comme ça. On va inverser le truc. On n'aura aucune lumière qui vient de l'extérieur. Regardez, j'enlève. Et en fait, je suis dans la nuit complète. Même si on voit là dehors, eh ben, c'est quand même la nuit complète ici. C'est comme ça. C'est un petit bug Minecraft Vanilla avec les demi-blocs. Bon, on va pas rester dans la nuit trop longtemps. Il n'y a pas déjà un champi qui a poussé. Et eh ben voilà la première ferme à champignons. Pour commencer, ça va être comme ça. Et ça va être très dangereux. Quand je viendrai ici, il y aura un risque qu'il y ait des mobs. Donc il faudra faire prudent. Mais
Au moins, je vais peut-être avoir plusieurs champignons. On verra. Du coup, on va ressortir en sautant. Et on va fermer comme ça. Hop. Voilà. Du coup, c'est la nuit complète là-dedans. Le champignon va pouvoir pousser. Mais il va mettre du temps. Du coup. Moi, en attendant, il faut vraiment que je fasse quelque chose niveau bouffe. Je vais prendre la canne à pêche. Ça. Les couilles, je vais les sacrifier aussi pour la pêche. Comme le jour s'est levé, on va aller checker un peu dehors s'il y a des mobs qui ont brûlé. J'ai du bois. La pierre, je peux poser un peu. Le bois, j'ai pas besoin de tout ça. Le charbon, je peux tout poser. Ça, on va poser. Voilà. J'ai le strict minimum sur moi pour survivre. On va sortir. Les vaches n'ont pas brouté. C'est pas grave. Ok. Est-ce qu'il y a des gentils mobs qui ont brûlé? Y'a rien. Ah, ils sont tous dans l'eau. Par contre, je sais pas où sont les zombies là. Et j'ai pas d'animaux très proches. Du tout, du tout. Je vais retourner tout là-bas vers les montagnes où il y avait tout plein d'animaux et où c'était joli. Et on va se faire un petit camp là-bas. Je vais faire. Ouais, je vais faire un petit abri là-bas. Je vais tuer plein d'animaux pour avoir plein de bouffe. Et dès qu'il fera une lune noire, je vais vous montrer la pêche. J'ai encore beaucoup de boulot devant moi. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un petit dernier pour la route. Hop, parfait. Bon, là, j'ai 12 steaks de cochon et 5 de mouton. Je suis venu dans la zone où j'étais venu checker il y a quelque temps. Si la génération de la map. Du coup, ici, je trouve que c'est super joli. J'ai tué pas mal d'animaux dans les environs. Il reste plus que des vaches. Plus que des vaches. Il y a un petit mouton, deux petits moutons là-bas. Et je vais me faire un petit abri par là. Et un stand de pêche. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir une lune noire. Et on va pouvoir pêcher à donf. Ah, ouh, du coup, il y a quand même pas mal d'animaux là. Il y a pas mal d'animaux. Bon, vu que j'en avais déjà tué l'autre fois, ça va. Ah, mais non, ils vont tous mourir ces trucs. Il est où le. Ah, ça se couche bientôt. Je vais tuer le max que je peux. Et on va vite se faire un petit abri dans une. Ah bah tiens, là-bas dans la grotte. Ou ici. En plus, il faut que je prenne de la terre en masse. Allez, encore ce mouton. Et pour l'instant, je vais me faire un abri là. Et après, demain, je vais faire un petit truc tout là-bas. Et on se retrouve une fois que tout ça est fait. Je reste juste avec vous du temps que je m'abrite. Oh, bah nickel, ici, une grotte. Les mobs n'ont pas encore apparu. Ouh là là! Bon, c'est une énorme caverne, mais je suis en sécurité ici. Je vais pouvoir prendre du charbon pendant la nuit et faire cuire tout ça avec du bois. Ok, et en plus, il y a de la terre. C'est parfait. Alors, petite nuit ici, collecte de ressources, cuisson de la bouffe, et demain, c'est en pêche. Ben, c'est comme ça, c'est la survie, c'est la survie. Je pourrais tout vous couper ces séquences où je collecte de la bouffe, où je galère, mais franchement, moi, je trouve important de vous montrer. Comme ça, si vous jouez à Better Than Ball, vous ne serez pas surpris. Que le mode est très difficile. Et que c'est vraiment de la survie pure et dure. Allez. On se retrouve quand le stand de pêche est fait. Petite sortie du matin. J'ai tout mis cuit. J'ai pu avoir qu'un charbon. Oh putain, on a un mouton. Oh nickel ça. Il n'a pas été bouffé pendant la nuit. Faire gaffe, hein. Il y a peut-être des creepers qui traînent. On sort, on se casse. Ah, bah il y a un creeper. On va le dégommer. Je
devrais peut-être pas faire ça. Ouh! Putain, il a lagué. Il a lagué le machin. Tiens, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de zombies pendant la nuit. Souvent, il y a des steaks qui traînent. Ah, il n'y a pas eu beaucoup de mobs. Voilà, on entend. Peut-être qu'il y en avait plein dans les cavernes. Oh, mais il n'y a aucun mob qui a été bouffé. C'est bizarre, ça. Putain, je pense que c'est grâce à la caverne. Tous les mobs étaient dans la caverne. C'est bizarre. Mais en tout cas, là, c'est la survie. Hein. Il faut vraiment utiliser les demi-dalles le plus possible. Quand je m'approche des animaux, je veux pas trop les utiliser parce que sinon, ils courent loin. Hop. Merci. Encore un poulet. J'allais en artère plein. On va faire comme ça. Tac. Voilà. Et on va pas se priver du mouton. En fait, je pourrais construire ici, en fait. Ah si, il y a un mouton qui est mort. Il s'est fait démonter par un poulpe. Donc, il y a du poulpe par là. Ah ouais. Et je vais rester ici. Je vais garder mon camp, là. Il était où, mon camp? Je vais garder mon camp dans la grotte. Dans la grotte qui est là-bas. Yes. Comme ça, du coup, la nuit, je peux explorer. Et... Ouais. Et les animaux très loin, ils vont pas mourir. Ils vont pas mourir, les animaux plus loin là-bas. Ok. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de me faire ici un petit camp de survie. C'est obligatoire. Du coup, là, je vais construire un petit stand de pêche au bord de l'eau. Et on se retrouve. Attendez, combien il y a de profond? Ah, s'il y a que 1, 2, 3, la pêche, ça ne va pas. Il faut plus profond. Il faut plus profond. On va faire un petit pont là-bas. C'est la journée, je crée rien. Les poulpes sont gentils. C'est ça qu'il faut se dire. Mais il faut pas être gloom, hein, sinon on se fait attaquer. Ok. Alors là, ça sera 1, 2, 3. Et là-bas, c'est plus profond. Il faut que j'aille encore plus loin. Je vais mettre que une couche pour économiser un peu de terre. Hop, 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 hop. Voilà, là, on a 4 de profond. Il faut... je vais me renseigner, mais il faut 4 de profond, me semble-t-il, pour que les poissons apparaissent. Tac, tac, tac. Du coup, je vais vite m'informer. Je fais le stand et on va attendre une lune noire. Qu'est-ce que... Bon, j'ai pas mal de bouffe, là. Je peux survivre un moment, mais je veux quand même me faire un stock plus ou moins convenable pour pouvoir vous montrer des constructions et faire des fermes à champignons un peu plus grandes que celles que j'ai fait là. C'est comme ça le début de partie. Oh yeah. J'ai pas mal de torches, donc je vais bien pouvoir éclairer. Ouais, tout est nickel. Tout est nickel. Ça, on laisse pas traîner. Ah mais oui, j'ai l'inventaire plein. Il faut que j'aménage ma petite base. Il faut que je fasse des coffres. Il faut que je fasse des petites choses. Et aussi, dans le pire des cas, je pourrais aller plus loin là-bas une journée et tuer encore plein d'animaux pour me faire plein de steaks. Mais pour l'instant, le but, c'est de faire une petite base secondaire ici, agréable. Oh yeah. Ah. Il y a toujours un Enderman pour emmerder. Hein. Oh putain. Ah mais il y a des zombies tout près. Hein. Oh là là. Bon, ben j'ai toujours mon ami Enderman. Ah, il est parti. Il est plus content. Mais il m'a tourné autour. Oh là là. J'ai 11 steaks. Et 3 couilles. Ça fait 14 poissons. Oh ouais. Ouais, je vais rester 2-3 jours ici. Et au petit matin, je vais aller à la cueillette des steaks de zombies qui ont cramé. Et je vous montrerai la pêche lors d'une lune noire. On va se faire un bon paquet de poissons. Et dès que j'aurai tous ces poissons, je vais partir par là-bas, faire le plein de bouffe d'animaux.
Et du coup, on aura le plein de bouffe. Il y a tout ce stock de bouffe. Dans l'épisode 14, on va pouvoir faire pas mal de choses. Je vais bien pouvoir vous montrer les fermes à champignons. Et après, on va nourrir, faire des tests sur les poulets. Il faut du poulet, il faut du poulet, les mecs. Les poulets, c'est la vie. C'est la vie. Plein de tests sur les poulets. Et après, gentiment, le millstone, le cannabis. Faire bien pousser les champs. Essayer d'avoir des citrouilles en masse. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors j'ai regardé pour les poissons. Les poissons, il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois qu'on peut pêcher un peu dans n'importe quel point d'eau. Même si à mon avis, il faudrait tester. Mais à mon avis, genre dans cette gouille, je pense que là, on n'aura jamais de poissons. Franchement, par curiosité, je vais peut-être faire le test. Mais je crois pas. À mon avis, il y aura bien quand même les mêmes règles que pour les poulpes. Les poulpes, il faut au minimum 4 de profond. En fait, c'est à tester parce qu'on sait pas. Flovershield, peut-être qu'il a modifié ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ne pas se faire happer par les poulpes, il faut avoir minimum 6 blocs de haut. Comme ça, si on fait 6 blocs de haut, on peut aller vraiment tout au bord et jamais aucun poulpe pourra nous happer. Par contre, si vous faites 5 blocs, vous êtes mort, les mecs. Alors pensez bien, si vous faites un stand de pêche, faites-le 6 blocs. 6 blocs de haut. Très très important. Parce que franchement, vous faire un petit abri juste au bord de l'eau et pas en hauteur, vous allez crever dès la première nuit. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Alors prudence, les amis. Prudence. Bon, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Oh là là. Alors. Là, il y a un petit peu de fer ici. Il y a du charbon. Oh putain. C'est beaucoup trop risqué. On va les laisser tranquilles. On va pas aller voir ça. Hop. Il me faut du bois. J'ai plus beaucoup de bois. Ah bah il fait. Coucou toi. Ah merde, les boss, ils vont. Ils vont pas brûler à cause de la pluie, mais il fait jour. On va quand même faire une tentative de sortie. Et j'ai peur. Ouh, le creeper. Il faut à chaque fois faire gaffe quand on sort des baraques. Ou alors faire une protection contre les creepers. Du coup, il me faudrait juste un petit peu de bois. Mais on va vite faire le stand de pêche avancé. Vous allez voir ça. Du coup, il y a un zombie là-bas. C'est pas grave. Les poulpes, parce qu'ils attaquent quand il pleut. Non. C'est vraiment quand c'est les grosses tempêtes. Oui. Et ils m'attaquent uniquement si je suis gloom. Ouais. Ouais, ils sont gentils les bloops. Mais prudence quand même. Si ça se transforme en orage, c'est la cata. Et du coup, pour les stands de pêche, il faut 6 blocs de haut. Donc là, on en a mis 2. 1, 2. Hop. 3. 4. 5. Et 6. Voilà, il faut faire 6 blocs de haut au-dessus de l'eau. Le minimum, le minimum. Comme ça, du coup, vous pouvez aller tout au bord de la terre. Et il y aura plein de bloops qui vont venir ici pendant les nuits. Mais ils ne pourront jamais, jamais vous attraper. Du coup, ça, c'est un petit stand de pêche de survie, on dira. Très, très basique, très simple. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de lumière et placer, oula, j'ai cru qu'il y avait eu un lag, placer un four. Un four, on peut, ouais, j'ai pas assez de bois,
Mais dans l'idéal, il faudrait avoir un four et un petit coffre pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Et éclairer un tout petit peu les environs pour pas qu'il y ait de mobs qui spawnent et qui viennent nous agacer pendant qu'on pêche. Ça serait dangereux. Du coup, si vous voulez être un expert de la pêche, là j'ai toutes les informations. Enfin, sur le Wikipédia, il n'y avait pas tout. Et Better Than Wolf modifie les poissons, donc j'ai dû faire des tests. J'ai fait ça dans un autre monde. J'ai tout fait, plein de tests, et cette fois, je suis un pêcheur professionnel. Donc, s'il y a des monstres autour de l'eau la nuit, ça n'affecte pas les poissons. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a 1 milliard de zombies dans l'eau, des poulpes, tout ça ne change rien. Vous pourrez pêcher. Par contre, le truc le plus important, c'est qu'il faut que l'eau soit en contact avec le ciel. Si il y a un énorme toit au-dessus de l'eau, vous ne pêcherez jamais, mais jamais. Il n'y aura jamais, jamais de poisson. Donc il faut vraiment que l'eau soit en contact direct avec la lumière avec le ciel. Et il faut avoir au minimum une profondeur de 4. 4 blocs de profondeur. Donc ça sert absolument à rien de pêcher proche des rivages. Par exemple, là, je suis très proche du rivage, je n'aurai jamais, jamais de poisson. Il faut que sous l'hameçon, il y ait 4 hauteurs d'eau. Et pour pouvoir pêcher, le bassin minimum, c'est un bassin de 5 par 5 par 4 de profondeur. Minimum. Donc, du coup, ici, on a un petit stand de pêche fonctionnel, vu que là, il y a de l'eau à 4 de profond. Oh! Eh ben, tiens, j'ai déjà pu pêcher. J'ai déjà eu mon premier poisson. Tiens, on va réessayer un petit coup. Et n'oubliez jamais, jamais de remettre un appât sur la canne à pêche. Souvent, il y en a qui oublient de remettre un appât et qui pêchent pendant des heures sans rien avoir, sans jamais comprendre pourquoi. Donc, n'oubliez pas, l'hameçon est rouge quand il y a un appât. Et là, bon, j'ai pêché en pleine journée un poisson. Mais vu qu'il pleut, j'ai plus de chance. On va voir. Donc, en gros, la pêche, elle est vraiment efficace quand il pleut. La nuit. Mais le maximum d'efficacité, c'est en pleine nuit quand il y a une nouvelle lune. Et la nouvelle lune, ça veut dire qu'on la voit pas, la lune. Donc, dans Minecraft, il y a 8 phases de lune. La première, c'est la pleine lune. Après, c'est la lune gibbeuse. Après, c'est la lune dernier quartier. Et la lune dernier croissant. Et enfin, la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une lune noire. Et on voit que dalle. C'est hyper dangereux. Il y a des mobs partout. Donc, il faut avoir un stand de pêche en sécurité. Et là, vous allez pêcher de la mort qui tue. Vous allez pêcher de la mort qui tue. Et après la lune noire, ça revient une lune premier croissant. Après une lune premier quartier. Et la huitième phase, c'est la lune gibbeuse. Et après la lune gibbeuse, ça revient une pleine lune. Donc du coup, voilà, on a un petit stand de pêche fonctionnel ici. Donc j'espère que vous avez relevé un peu les informations concernant la pêche. Du coup, moi, je vais prendre un petit peu de bois. Un petit peu de bois. Et après, on va faire un stand de pêche en sécurité. Une version compacte qui prend très peu de place. Vous allez voir, c'est très vite fait et c'est super pratique. En tout cas, ça sera un stand de pêche que je vous conseille à tous de faire en début de partie. Du coup, moi, je vais prendre du bois, de la terre, combien j'en ai? Bon, de la bouffe, j'en ai pas mal. De la terre, j'ai plus qu'assez. Ouais. Je vais construire le petit stand de pêche. Je prends juste un peu de bois. Hop. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, la pêche peut être super, super importante. En début de partie et même des fois dans des parties un peu avancées parce qu'admettons que vous êtes mort énormément de fois et qu'à presque tous les points de spawn il n'y a plus d'animaux sur de très grandes distances, eh bien la pêche peut s'avérer un des seuls moyens de se nourrir et c'est aussi pratique sur serveur. S'il y a beaucoup de joueurs sur un serveur, les animaux ils vont vite tous mourir. Tous les joueurs vont consommer très rapidement beaucoup de nourriture et du coup, vous allez sans doute devoir pêcher pour survivre. Et la pêche, elle est vraiment bien faite quand on connaît tous les trucs.
Et ça nous permettrait même de survivre sur une île. Il suffirait qu'il y ait juste un ou deux arbres sur l'île. Et pendant une nuit, on tue des araignées pour avoir de la ficelle. Et c'est bingo. On peut se faire une canne à pêche. Il faut juste une petite pépite de fer. Et c'est bon. Après aussi, peut-être qu'on verra ce que je vous montrerai peut-être dans le prochain épisode. C'est. Sur mon serveur, il y a un joueur qui avait fait un camp pour avoir des steaks de zombies. Parce que la pêche, c'est joli, mais il faut avoir des appâts. Et en fait, on peut faire un petit camp en terre où la nuit, on est vraiment en sécurité. Et le but, c'est d'attirer les mobs vers notre camp et on les tue quasiment en toute sécurité. Et du coup, ça nous permet de faire des stocks de steaks de zombies pour la pêche. Et ça, le mieux, c'est de le fabriquer sur des plaines ou sur des grands endroits plats. Du coup, le soleil, il est où? Il va bientôt se coucher. Du coup, moi, je retourne dans ma caverne. Je vais rester tranquillou dans ma caverne. Et on se retrouve demain au lever du jour et on va construire ce petit stand de pêche avancé. Et je pense que ça sera gentiment tout. J'avais dit que je faisais un épisode un peu plus court. Bon, ça a été un épisode champignon. Crevage de faim et pêche, pêche professionnelle. allez, on se retrouve demain. Toujours plein de monstres ici. Mon Dieu. Ouh! Ouais, je vais pas trop m'approcher. Je sens que je vais encore tomber. On va miner tranquillement par là. Voilà ce que je vais faire. Bon. Il me manquait du bois. Pour faire le stand. Du coup, on fait le bûcheron. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'arbres ici. Je vais en replanter. Je vais en replanter. Et il me semble. Il me semble que la pleine lune. On l'a eu. On l'a eu au début de l'épisode. Dans le soleil. Et peut-être que ce soir il va y avoir pleine lune. Il me semble qu'au début d'épisode on a eu pleine lune. Et que là ça fait 4 nuits. Donc on devrait être dans le cycle de la nouvelle lune. Donc on va voir si les calculs sont bons. Normalement, je pense que je vais me tromper. Mais il devrait y avoir la lune noire ce soir. Alors où c'est qu'on va faire mon. Ah, faut que je plante les arbres. Mon stand de pêche professionnel. Yip, il suffit d'avoir un petit lac. Ah bah je pourrais le faire là. Mais on va le faire ici. On va le faire ici. Proche de l'autre stand. Alors j'ai planté tous les arbres. Alors en réalité il faut. On va le faire ici. J'ai plein de terre. On va combler ici. Ok. Alors, comme je vous ai dit, il suffit d'avoir un bassin. De 5 par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, on va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait un carré comme ceci. Voilà. Là, on a un petit bassin de 5 par 5. Ici, on va quand même remplacer le sable par de la belle dirt. Hop, 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 hop. Voilà, on a notre bassin de 5 par 5 et ensuite il suffit d'avoir 4 de profondeur. Donc là on a 1, 2, 3, 3 et il faut une pioche. Ah j'ai ma pioche en. Elle arrive bientôt au bout. Ah non c'est de la terre. Et 4. Voilà. Et ensuite il faut creuser toute la zone. On va faire ça tranquillou. Je vous garde en ligne. Ouais, le soleil se couche bientôt. Je vais passer ma nuit là au-dessus. Ok. Donc, on creuse tranquillou. Et la lumière n'a pas d'impact sur la pêche. On peut éclairer. On pourrait utiliser des citrouilles. Si on prend une citrouille et qu'on met une torche à l'intérieur, ça fait une citrouille lanterne. Et elle permet d'éclairer sous l'eau. Ça, c'est cool. C'est très cool. Très très cool. Hop.
Et il y a quelques petites règles. On pourra pêcher dans ce bassin, mais il faudra faire attention. En tout cas, ouais, il faudra bien respecter ce que je vous dis. Et du coup, le toit, pour que l'eau soit en contact avec le ciel, ça marche avec des blocs transparents. Donc moi, je vais utiliser des grattes. C'est pour ça que j'ai été chercher du bois. C'est très coûteux. Mais en début de partie, on n'a pas beaucoup de blocs transparents. À la limite, je pourrais faire du verre, mais pour avoir du verre, il faut faire cuire du sable. Donc c'est coûteux. Là, du coup, j'avais le temps, j'ai été chercher du bois. Donc on peut faire un toit en bloc pas plein. Donc un bloc qui laisse passer la lumière. C'est-à-dire qu'il faut, on peut faire avec les grattes, comme je vous ai montré, avec du verre. On pourrait même faire avec des feuilles d'arbre, si on a une cisaille. Mais le problème, c'est que les feuilles, elles peuvent se casser. Si, il faut pas oublier de mettre du bois autour si on le fait en feuille. Putain, j'aurais dû le faire en feuille. J'avais une cisaille. Mais la cisaille, je l'ai laissée au point de spawn. Dommage. Autrement, j'aurais pu faire un truc design. Bon, la nuit va gentiment tomber. Est-ce que j'ai le temps de faire ce trou avant que les mobs spawn? Hop. J'ai plus de pelle. On se casse. On se casse. Les mobs vont pas tarder à spawner. Et on va voir si la lune est là. Faut que je fasse gaffe aussi s'il y a des poulpes là. Parce que la nuit, elle est bien là. Putain! Putain, j'aurais pas dû faire ça. Il est où le poulpe? Il y en a deux? Oh putain, putain, je me suis mis dans quoi pour une galère, moi? On se casse, on se casse, on se casse. Je suis Hongrie en plus. Allez! Il avait plus à nager. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? On fonce dans la base. On fonce dans la base. Y a pas de mob, y a pas de mob. Ils ont encore pas apparu. Oh putain. Je suis imprudent. Ils spawnent vite les. Enfin non, y a pas de mob là. Les poulpes, ils viennent vite nerveux. Ouh là 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 là. Et oui, ça vient de spawner là. Ah merde. Mais du coup, je vois pas la lune. Elle est où la lune? Merde. Bon, de toute façon, ça a pas l'air d'être une lune noire. J'ai dû complètement me planter. Est-ce que j'utilise un de ces trucs? Putain, je fais nappe. Je sais plus où je tape, moi. Je prends des risques assez invraisemblables. Alors, on va couper tout ce bois. Heureusement qu'ici, je suis en sécurité. Hein. Comme ça. Tac. Et qu'est-ce que je voulais faire, moi? Des pelles. Je voulais faire des pelles. Et deux petites pelles pour l'instant. Ça ira. De toute façon, je vais devoir passer une nuit de plus ici. Oh, misère! Miséricorde, miséricorde. Oh non. Ah non, alors là c'est quoi? Putain, j'ai tout du mal calculé là. Bon là on va dire que c'est soit la pleine lune. Ouais, ça m'a l'air la pleine lune. Ou la lune gibbeuse montante. Parce qu'il y a la lune gibbeuse montante et la lune gibbeuse descendante. Alors c'est peut-être la lune gibbeuse descendante. On va prendre note. Hein. Regardez bien la lune comme elle est belle. Wow. Du coup ça va bien. J'ai pas besoin de mettre ça pour voir la lune. On sait qu'elle se lève là-bas. Ok. Ok. Bon ben moi je vais continuer de ma petite mine ici pendant la nuit. Je fais ça tranquille. Hein. J'ai fait un stock de terre. Et j'avais même trouvé un peu de charbon par là. Ouais, ici je vais tout peler cette terre. Je vais miner un petit peu comme ça en sécurité. Et on pourra continuer demain. Est-ce que j'ai assez? Combien il faut? 5 x 5. Vu que l'eau elle fait 5 x 5, il me faut 25 grattes. Oh là là, mais c'est hyper coûteux. Combien j'ai avec 32 de bois? Hop, hop, hop. 7. Ah, il m'en faut encore 5. Il m'en faut encore 5 et on sera au complet. 3. Plus que deux, mais j'aimerais bien garder un peu de bois pour me faire des outils pendant la nuit. 2. Et il me faut encore 5 bâtons. 1, 2, 3. Paf, paf. Ah non, mais j'en ai fait 26. Oh là là, je comprends rien, je comprends rien. Bon, ça va. Je peux me faire encore 5 pioches pour la nuit. Et j'ai deux pelles.
Parfait. Non, je vais me faire une pelle et 4 pioches. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai de quoi m'amuser cette nuit. Bon, du coup, à demain. Et ah oui, j'ai une aile de chauve-souris. J'avais une petite chauve-souris qui est venue m'agacer ici. Elle m'a donné ses ailes. Et c'est cool parce qu'on peut pêcher avec ça. Yes! Yes, yes, yes. We are prêts. Au petit matin, j'ai encore gagné 2 steaks de zombies. C'est cool. Promenez-vous le matin. Proche de votre campement. Combien j'ai de steaks? 13. 13 steaks de zombies. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai un petit peu de bois. Hop, on le transforme. Tic. On va faire un petit atelier. Hop. On va mettre ça. On va mettre ça ici. Là. Et le reste, on fait des bâtons. Je vais me faire 2 pelles encore. Hop. Voilà, donc du coup, 4 de profondeur d'eau. Et respectez bien ça, hein. Il faut vraiment 4. Il faut qu'il n'y ait aucun autre bloc. Si, il faut vraiment une surface d'eau de 5 par 5 par 4. Hein. Vous posez un seul bloc et la pêche ne fonctionnera pas. Hein. Un seul bloc et ça ne fonctionne pas. Alors voilà, il me reste plus qu'à enlever ça. C'est parfait. Hop! Allez, encore les deux là. Yeah. Faites gaffe sous l'eau. À pas vous noyer. Voilà. Et ensuite, on va faire une sublime construction à la KO. Hop, on va fermer les bords. 1, 2, 3, 4. Tac. Et ici, on va faire de hauteur 1, 2, plus 1, 2, 4 de haut. Donc là, on a 2 de haut. Et on fait encore. Attendez, j'ai combien là? Combien j'ai? Merde. 1, 2, 3. On va faire 4 de haut au total. Oui, 4 de haut, vous allez comprendre pourquoi. Oula, j'ai du mal. J'ai du mal à voir les distances. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et 1, 2. Voilà, 4 de haut. Heureusement que j'ai pu faire le plein de terre toutes ces nuits. Là. La dirt, c'est la vie. N'oubliez pas, avec Better Than Vol, la dirt, c'est. C'est le meilleur élément. Merde, mais j'ai fait un plus haut maintenant. Oh là là, je suis pas très fort en construction. Tac. Ah oui, ça va bien. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est juste. 4. Comment on va fermer ça maintenant? Là, on enlève la demi. Hop, 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 hop. Là, on enlève ça. On va dégager un petit peu l'entrée pour qu'elle soit en sécurité. Comment qu'on fait? On va faire comme ça. Comme ça. C'est bon, on arrive bientôt au bout. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on va utiliser des échelles, hein. Ah, mais je peux pas faire d'échelle. Bah, pour l'instant, on rentrera comme ça. Et à chaque fois, je refermerai. Du coup, il faudrait juste que j'aille là-haut. Oui. Hop, voilà. Et ensuite, on va recouvrir avec ça, qui est un bloc transparent. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 4, 5. Mais quel bordel! Hop. Il faut faire gaffe avec ça. Les mobs peuvent passer au travers. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble que je suis en train de faire nimp. Voilà, là. Ah non, c'est bon. J'en ai peut-être mis une de trop. Ah non. Ah non, c'est bon. Ce qu'il faut faire gaffe. Ah mais oui, j'en avais fait une en plus. Les mobs, ils peuvent tomber dans ce trou, hein. Tout comme nous, d'ailleurs. Du coup, on va recouvrir un petit coup de demi-dalle de terre. Ça, c'est parfait.
Comme ça va être super beau en plus. On fait comme ça. Allez. On peut pas? Ah. On peut pas, on va utiliser de la terre pleine. Alors on va faire comme ça. Hop. Oh putain, c'est beau. Tac, 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 tac. Et voilà, du coup, regardez, ici je peux faire n'importe quoi, je peux pas tomber. Donc même s'il y a un mob là qui spawn ici dessus, eh ben il ne pourra jamais, jamais, jamais venir nous agacer. Ça, on va enlever. Hop. Et en dehors de l'eau, on peut recouvrir de terre. Yup. Comme ça, on sera en full sécure. Yip, yip, yip. Voilà. Maintenant, on éclaire un petit peu. Hop. Hop. Et il faut... Ah, je peux faire en pierre. On va faire un escalier. Tic. Un escalier qu'on va mettre pile au milieu ici et un bloc de terre en dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là c'est éclairé. J'avais fait un four. Ah non? J'ai dû le mettre dans le coffre à la base. On va refaire un four. Comme ça on a de quoi faire cuire le poiscaille. On va le mettre là. Et on va... Ah, je voulais faire un coffre. Il me faudrait du bois encore. Mais du coup, là, on a notre stand fonctionnel. Donc, on peut s'enfermer comme ceci, ici. Ah, d'ailleurs, la nuit va arriver, oui. Hein. La nuit va arriver. Ah, ben, vu que j'ai plein d'escaliers, on va faire différemment. C'est pour éviter qu'on doive à chaque fois sauter. Parce qu'à chaque fois qu'on saute, on consomme de la bouffe. Hein. Du coup, on va mettre des petits escaliers ici. Hop. Voilà. Et voilà, du coup là, c'est prêt pour la pêche, c'est prêt. Mais, si on ne vient pas sur ce petit podium, comme le lac est vraiment très petit, si on jette la canne à pêche, vous allez voir, l'hameçon, il bug et il flotte au-dessus de l'eau. Et quand c'est comme ça, c'est très 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 difficile d'avoir du poisson. Soit vous n'en aurez jamais, ou soit sur un coup de bug, vous allez peut-être pouvoir avoir du poisson. Et ça, c'est un bug dû parce que c'est un tout petit étang d'eau. Tout petit. Mais si on monte à deux blocs de haut, comme ceci, on peut tirer l'hameçon. Et voilà. Il flotte de manière totalement normale. Donc là, on peut avoir du poisson. Le dernier souci qu'il y a, c'est quand on est ici, et que si vous pêchez le poisson, hop, le poisson, il va pas atterrir dans votre main. Le poisson, il va taper dans ce bloc de terre et tomber au fond de l'eau. Donc, pour vous éviter d'aller à chaque fois au fond de l'eau chercher, vous pouvez enlever ici le petit bloc de terre. Yop. Et là, vu que c'est éclairé aussi, les poulpes ne vont pas spawner ici. Hein. Donc, ça, c'est sécurité. Et du coup, quand vous avez pêché un poisson, lancez l'hameçon bien pile devant vous. Pile devant vous ici. Pas besoin d'aller à gauche ou à droite, ça ne changera rien. Pour pêcher, il faut juste avoir les conditions pour que le poisson soit là, c'est-à-dire un bac de 4 de profond par 5 par 5. À partir du moment là, vous pouvez jeter l'hameçon n'importe où, ça sera égal. Ça sera vraiment égal. Sauf peut-être si vous le coincez dans le mur, comme ça, là vous n'aurez rien. Mais dans l'eau, ça sert à rien de tirer une fois à gauche, une fois à droite, une fois machin. Donc vous allez tirer à chaque fois devant vous. Et à chaque fois que vous allez avoir un poisson, et que vous allez le ramener vers vous, il va se faire entraîner par le petit courant d'eau et venir se placer ici. Donc du coup, vous n'aurez qu'à venir le chercher ici à chaque fois. Et voilà, c'est magnifique. On éclaire un peu plus. Donc, qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque la lune noire ou la pluie. Du coup, on a un stand de pêche parfaitement fonctionnel. Alors, la lune, elle est là-bas. Je vais aller la voir, je vais voir comment elle est. On va faire une sortie par ici. Comme ça, les mobs, ils risquent pas de m'attaquer là. Ou peut-être s'il y a un squelette. Hein. Je sais qu'ici, il ne peut pas venir. Vu qu'il ne peut pas sauter plus de deux blocs de haut. Alors. Ouais, il me semble qu'elle est un peu plus petite. La partie ici et dessous, elle est un peu moins éclairée. Donc, je pense que ça, c'est une lune gibbeuse.
descendante. Ça veut dire que dans 3 nuits, normalement, ça sera une lune noire, si je dis pas de conneries. Alors, ce que je vais faire en attendant, je vais pêcher tranquillement cette nuit. Je vais reprendre du bois. Et je vais vous montrer la pêche quand il y aura la fameuse lune noire. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment ça. Hein. Faites gaffe. Les règles de pêche sont très différentes de Minecraft Vanilla. Hein. Il faut vraiment, vraiment un bassin de 5 par 5 par 4 de profond. Ça n'a rien à voir avec Vanilla. Là, on est avec le mode Better Than Wolf. Donc, la pêche est complètement changée. Allez, après toute cette théorie, attendons la lune noire. Gros bec. Putain de merde, j'ai regardé un Enderman et un poulpe. C'est quoi ça? Putain, j'ai cru qu'il y avait un poulpe ici dedans. Putain, j'ai peur. J'ai regardé un Enderman, mais. Putain, je crois que je suis sauf. Attends. Oui, il y en avait là-bas. Et j'ai regardé sans faire exprès. Oh putain. Et du coup, j'ai vite foncé dans l'eau ici. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Et je crois qu'il s'est téléporté dans l'eau. Et du coup, l'eau, comme ça, touche l'Enderman. Il s'est fait toucher par l'eau. Et du coup, l'Enderman, il voulait plus me toucher. Oh putain. Et il faut vraiment faire gaffe avec ces Enderman. Vraiment, 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 vraiment. Bon, là, je crois que je suis sain et sauf. Bon, du coup, je vais attendre la full moon. C'est la full moon partie, les mecs. Bon, il y a quand même pas mal de zombies. J'espère que demain, ils vont tous brûler. Oh, putain, mais il y a lui qui est enragé, là. Oh, putain, non, qu'est-ce qu'il fout? Oh, putain, je déteste ça, je déteste ça. Heureusement, le soleil se lève. Bon, les mecs, il pleut. Et en plus de ça, il fait nuit. J'ai déjà eu 2 poissons. Bon, du coup, quand il pleut, on sait pas trop la lune qui fait. Mais en fait,
Et j'ai remis le bois, parce qu'en fait ça fonctionne comme bloc transparent. En fait, je crois que la lune noire, c'est vraiment très pourri pour la pêche. Ouais, je crois que je me suis planté. C'est vraiment la pleine lune. Et s'il y a la pleine lune et qu'il pleut, là c'est le top du top. De chez top. Donc c'est vraiment la pleine lune. Sinon, on peut avoir quelques petits poissons rarement. Mais... Oup! Bah tiens, j'en ai un. Vous voyez? Le poisson n'est pas venu vers moi. Mais il vient se loger ici dessous. Et on a qu'à le choper comme ça. Pas oublier de recharger la canne à pêche. Elle est où? Ici. Pas oublier de faire ça à chaque fois. Hein. Hop, hop, hop. Mais quand il pleut, c'est déjà très efficace. Hein. Mais vraiment, là, j'ai pas le temps de vous montrer. Parce que je crois que la vidéo, elle est déjà vachement longue. Mais s'il y a pleine lune et qu'il pleut, alors là, c'est du tonnerre de Brest. Même uniquement s'il y a la pleine lune. De nuit, c'est le top du top. Et autrement, les autres jours, vous pouvez essayer de pêcher, mais sans gros succès. Peut-être un ou deux poissons, voire trois, je dirais. Après, il faudrait peut-être que je pousse les tests la journée. J'ai pas trop fait de pêche en pleine journée. Ça marche aussi, mais pas beaucoup. Donc voilà, si en début de partie, vous devez survivre un peu, collectionnez les rotten flèches. Et vous pouvez faire un petit stand de pêche comme ceci. 5 par 5 par 4 de profond. Et ça fonctionnera. Du coup, je crois vraiment que l'épisode, il est vraiment long. Mais ça a été galère. Ça a été assez long pour moi. Mais je voulais vraiment vous montrer toute cette pêche. Ça pourra vous servir. Mais là, j'ai plus le temps. J'ai pas le temps d'attendre la pleine lune. On verra. Peut-être qu'on refera de la pêche plus tard à la base quand il y aura la pleine lune. Allez, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Et dans le prochain, hop, un petit poisson. Dans le prochain, je vais me faire le plein de bouffe. Un bon petit stock de bouffe. Et on va aller à la base. Je vais certainement regarder les fermes à champignons. Nourrir les poulets. On va voir ça, ouais. On va voir la pondaison des poulets. Comment ça fonctionne. La ferme à champignons. Et si on a le temps, on fera peut-être un millstone. Et je vous montrerai comment fonctionne le millstone. Allez, du coup, gros bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.